Coucou les filles et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous prendre avec moi en course. Donc j'ai établi un menu pour la semaine. Avant ça donc qu'est-ce que je fais? Je vide le frigo, je le nettoie, je fais l'inventaire un petit peu de ce que j'ai dans mon congèle, dans mon frigo, dans mon placard. Donc j'établis une base de menu avec tout ça. Et ensuite, je complète avec ce qui manque en allant au magasin. Donc, j'ai un petit cahier qui est là. Là, c'est le côté menu pour la semaine. Et donc là, c'est le côté où je fais la liste de courses. Donc là, je vais faire la liste de courses. Et ensuite, c'est comme ça que je procède pour faire mes menus de la semaine. Donc là, je vais essayer d'établir un petit budget, puisque j'ai quand même pas mal de choses à la maison, et on va voir pour combien je m'en tire. Et je vous dirai en rentrant ce que j'ai acheté, et le menu exact de ce que j'ai prévu pour toute cette semaine. Voilà, je vous laisse avec les images. Donc comme vous pouvez voir, il fait magnifiquement beau dans notre région. Donc c'est comme ça de octobre à pratiquement mars. Donc il faudra s'habituer. Les filles, je vous reprends vite fait. Donc on a fait un petit arrêt au Lidl avant d'aller à Leclerc faire les courses. Donc c'était juste pour les déguisements. Je vous les montre maintenant, comme ça sera fait. Donc celui-ci, c'est pour la petite dernière. Bon, il lui ira pas parce que c'est du 1-2 ans, mais non, c'est pas grave, même si c'est un petit peu grand, c'est juste pour lui acheter un petit déguisement. Au pire, elle le mettra l'année prochaine. Donc j'ai pris celui-ci pour mon fils. Par contre, j'ai pris taille M, ça correspond à 7-10 ans. Donc lui il a que 5 ans, enfin il va avoir 5 ans, mais j'ai regardé la taille et franchement ça me paraissait beaucoup trop petit. Donc franchement j'ai préféré prendre au-dessus, au moins je me dis qu'ils peuvent le garder un petit moment, même pour jouer par la suite. Pareil pour ma fille, j'ai pris 7-10 ans parce qu'elle est avec moi et j'ai regardé au niveau de la taille, c'était quoi, 4-6 ans, et franchement c'est beaucoup trop petit. Donc je lui ai pris celui-ci, c'est elle qui a choisi. Et j'ai pris un petit moule. En fait, il y a un nouveau Lidl qui a ouvert juste à côté de chez moi. Il est hyper grand. Et du coup, ils déstockent tout ce qu'ils avaient dans l'ancien Lidl qui était aussi à côté de chez moi. Et franchement, il y a des super promos, quoi. J'ai acheté pas mal de choses pour la cuisine, etc. Et aussi, on a acheté ça. Je sais pas si vous connaissez les boules de coco. Nous, c'est pour Halloween, mais on va quand même en goûter un petit peu. C'est ça, quand j'étais petite, j'en mangeais tout le temps. Donc voilà ce qui est pour le petit hall de Lidl, et maintenant on va faire les vraies courses à Leclerc. À tout à l'heure.
là les filles, on est un samedi. Déjà le temps, franchement, il donne pas envie de sortir, mais aller faire les courses un samedi, si j'avais pu, je m'en serais bien passée. Habituellement, je fais jamais le samedi, je le fais le matin et en jour de semaine. Mais bon, là, j'avais pas trop le choix. Donc là, je vais vous dire le menu par la suite, mais c'est possible qu'on ne le respecte pas à la lettre vu que c'est les vacances et qu'en plus, il y a une personne en moins, étant donné que mon fils n'est pas là, peut-être qu'il y aura pas mal de restes. Donc on verra bien. Sinon, j'ai pas pu trop filmer à l'intérieur du magasin, donc je vais vous mettre des images, en fait, des photos que ma fille aura prises, donc elles seront pas parfaites, hein, excusez-moi. Donc je suis revenue des courses, j'ai mis un peu plus de temps parce que je suis passée chez ma mère voir mon fils manger avec eux puisqu'il est en vacances chez elle. Désolée pour la luminosité, j'ai allumé toutes les lumières mais d'un coup il fait super gris. Je vais vous montrer comment je procède avant d'aller faire mes courses. Donc je regarde dans le frigo, je vide ce qu'il y a à vider, ce qui n'est plus bon, ce qui se mange plus. Je fais l'inventaire de ce que j'ai dans mon congélateur, dans mon frigo, dans mon placard. Voilà, donc j'établis mon menu par rapport à ça. Et ensuite, je dresse ma liste de courses, en fait. Donc j'ai un petit carnet que j'avais acheté à Action, que je vous ai montré tout à l'heure rapidement. Il est super bien, dedans il y a 3 carnets. Donc moi j'en ai un pour les rendez-vous et ma to-do list, en fait. Ce que je dois faire, etc. J'en ai un pour YouTube. Et pour mes idées de vidéos, etc. Et j'en ai un pour ce que j'ai à acheter et les menus et les listes de courses. Donc ce que j'ai acheté, par exemple, je note les magasins et les objets que je veux acheter. Et comme ça, au fur et à mesure où je les achète, je les barre. Enfin bref, donc aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'était mon menu de la semaine. Donc j'ai commencé samedi, donc aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai été faire les courses aujourd'hui, j'ai regretté, il y avait tellement de monde. Donc là, c'est ce que j'ai prévu pour le midi et pour le soir. Généralement, je cuisine beaucoup le midi pour en avoir aussi pour le soir quand c'est l'école, mais là, c'est les vacances, donc ça va, j'ai pas des contraintes d'horaire vraiment, vraiment précises, même si bon, ça reste à peu près les mêmes horaires. Et là, c'est la liste de courses. Donc j'ai essayé de me tenir à un petit budget. J'ai mon ticket de caisse. Donc généralement, je fais environ 100 euros de courses par semaine, en sachant qu'il n'y a pas la viande dedans. Donc moi je fais les courses de la viande au mois, puisque j'achète la viande qu'à la boucherie. Donc là j'ai payé exactement 62 euros, je ne sais pas si on va voir, s'il veut, 62,33 €. Donc 62,33 € en sachant qu'il y a le lait pour ma fille et l'eau. Donc le lait en poudre et l'eau, donc c'est 20 €. Donc en gros, j'ai payé 42 €. Et encore, j'aurais pu faire moins puisque j'y suis allée avec ma fille. Elle m'a fait acheter des choses qu'il n'y avait pas sur ma liste. Mais bon, vous connaissez hein, quand vous allez au magasin, allez s'il te plaît, maman, fais-moi plaisir. Hein. Donc voilà. Donc 40 €, franchement, je trouve que c'est bien. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas tout pour la semaine puisque j'avais déjà des choses. C'est que le complément, mais je m'en tire bien quand même. 42 €, franchement, j'aurais pas pu faire mieux. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et ensuite, je vous dirai le menu de la semaine. Donc, peut-être que je vais vous dire en même temps. Donc, je vais commencer dans l'ordre. Donc, j'ai acheté un kit de burritos. Si vous entendez ma fille pleurer, vous inquiétez pas, son père est avec elle et il y a sa soeur aussi. J'ai acheté un kit de burritos, donc c'est pour aujourd'hui. Ensuite, j'ai acheté des pâtes au fromage. Donc c'était pour ce soir, mais comme j'ai mangé chez ma mère ce midi, en fait, je vous mettrai une photo de ce qu'on a mangé. Donc du coup, ça sera soit l'un, soit l'autre pour aujourd'hui, on verra. Vu qu'on avait déjà sorti la viande hachée, je pense que ça sera les burritos, même si d'habitude on ne mange pas de viande hachée, enfin on ne mange pas de viande tout court le soir. Mais là, on va voir si la viande hachée va tenir. Donc pour dimanche, j'ai acheté du pain de mie complet,
J'ai acheté, donc j'en ai acheté trois, des fromages à croque-monsieur et un hamburger. En fait, c'est parce qu'il y avait une promotion 2 plus 1, donc j'ai acheté. Donc c'est pour faire, et j'ai acheté aussi du thon et de la vache qui rit. C'est pour faire des croque-monsieur au thon avec de la salade verte. Donc c'est pour dimanche midi. Le soir, c'est soupe et œufs durs. Donc la soupe, ça sera une soupe toute faite exceptionnellement. En fait, ma fille, elle l'a vue, elle a choisi celle-ci. Elle m'a dit, j'aime trop le potiron, tu peux la prendre. Donc ça sera ça avec des œufs durs. Lundi, ça sera midi, crevettes et tagliatelles. Donc j'ai déjà les crevettes et j'ai déjà les tagliatelles. Le soir, ça sera purée de pois cassés. Donc à la marocaine. Donc j'ai déjà les pois cassés secs. Mardi, ça sera escalope, oignons, champignons, crème et riz. Donc j'ai acheté les champignons, c'est ce qui me manquait. Le reste, je l'ai. Ah, j'ai acheté la crème aussi, puisque je ne l'avais pas. Je regarde en même temps sur mon menu. Hein. Donc le soir, c'est soupe. C'est une soupe d'orge, en fait, que je ferai moi-même, sans viande, une chorba. Mercredi, c'est dinde et frites, le midi. Donc ça, j'avais déjà, hein, les pommes de terre, je les ai fait moi-même. C'est très 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 rare que j'achète des frites surgelées, on n'aime pas, mais bon, j'en achète de temps en temps, mais franchement c'est vraiment rare. Donc le soir ça sera crêpes, on va faire des crêpes, une crêpe partie en fait. Moi j'ai pas eu pour habitude de faire ça, mais c'est vrai que quand j'ai rencontré mon mari, il m'a dit que sa mère le faisait quand ils étaient petits, ils étaient super contents. Donc de temps en temps on fait une, à la place d'un Disney, on va dire un espèce de petit déjeuner. Voilà, donc soirée crêpes. Jeudi ça sera pizza maison. Donc j'ai pris de la mozzarella, j'ai pris des tomates cerises. Donc les tomates cerises, ça sera pour la pizza et pour les croque-monsieur au thon. Voilà. Ensuite, le soir, ça sera saucisses et salade de concombre feta. Donc j'ai pris des saucisses knacky, celle-ci. J'ai pris aussi du concombre. Et la feta, je l'ai déjà. Je suis en train de faire une montagne de course. Vendredi, ça sera couscous poulet légumes. Donc j'ai déjà les légumes. Donc moi je vais mettre courgettes, carottes, pommes de terre. Et puis j'ai déjà le couscous et les cuisses de poulet. Donc le soir, on verra bien. Soit je ferai un peu plus de couscous et on en mangera avec du lait fermenté. Ou soit ça sera des restes. On verra bien. Donc samedi midi, c'est brochettes et poêlées de légumes. Donc pour les brochettes, ça sera certainement des escalopes de poulet. Et la poêlée de légumes, c'est une poêlée que j'ai achetée comme ça, surgelée, toute faite, avec plusieurs légumes. Ensuite, le soir, j'avais noté quiche Lorraine, donc avec la crème fraîche que j'ai achetée, la pâte feuilletée. Et donc pour la pizza, il y avait aussi du cheddar râpé et du gruyère. Et donc pour vendredi soir, excusez-moi, je me suis trompée, je vous ai dit reste, mais en fait non, j'avais acheté de la sucrine et des chèvres chauds. Donc c'est ça vendredi soir. Et ensuite pour la quiche Lorraine, ben, j'ai acheté des dés de lardon, donc avec la crème fraîche et avec la crème fraîche, la pâte feuilletée, des œufs, j'en ai déjà, du lait aussi. Donc, et le gruyère que j'ai acheté. Donc, j'ai noté un repas en plus. Donc, parfois, soit on peut sauter un repas, soit on peut manger autre chose, soit on peut manger la même chose le midi et le soir. Donc, j'ai noté, c'est en fait, je sais pas comment, c'est des petites billes comme ça de plomb que vous mélangez avec des légumes, donc vous pouvez le faire avec la viande. Moi généralement je le fais végétarien, donc sans viande. Donc ça c'est le repas que j'ai mis en plus. S'il y a il y a quelque chose qu'on n'a pas envie ou que les enfants ne veulent pas. Voilà. Et donc comme je vous ai dit, j'ai acheté des choses en plus, donc c'est vrai que j'aurais pu faire même moins. J'ai acheté du maïs. C'est pour la semaine prochaine parce que je voulais faire une salade de riz. J'ai acheté du beurre. En plus, j'ai acheté des saucissons, puisque ma fille m'a demandé d'en acheter. Du ketchup et de la mayonnaise. Donc, c'était pas sur ma liste tout ça. Hein.
Et j'ai acheté quoi d'autre? J'ai acheté des bonbons pour Halloween et des petits emporte-pièces pour Halloween. Donc, entre parenthèses, on ne fête pas Halloween, on ne fête pas de... Enfin, voilà, c'est... je respecte ceux qui le font, nous on ne le fait pas, franchement, je ne l'ai jamais fait. Mais bon, les petits grandissants, ils entendent à l'école, etc. Donc, je leur ai bien expliqué que, bon, nous on ne le fêtait pas, mais bon, pour leur faire plaisir, je leur ai acheté quand même un petit déguisement. Et surtout, je me suis dit que ça resservirait, puisque j'ai pris des tailles au-dessus, pour le carnaval de l'école, parce qu'ils font un petit défilé vers le mois de mars, avril, il me semble. Donc je leur remettrai tout simplement ça. Et comme l'année dernière, ils voulaient le faire, ils m'avaient demandé et que j'étais habitée, je ne pouvais pas. J'ai décidé de leur faire plaisir cette année. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. Même si, bon, c'est pas forcément. Et puis les bonbons, je les ai achetés ben, pour les petits qui viennent toquer. Hein. C'est des enfants, ça leur fait toujours plaisir. Franchement, ma mère aussi, elle a toujours eu cette habitude-là d'avoir des petits bonbons, des petits gâteaux, des chocolats à donner soit au petit en bas de l'escalier qui lui donne un coup de main quand elle vient porter ses courses ou à ses petits-enfants, etc. Donc moi aussi, j'ai toujours des petits bonbons à portée de main. Et puis voilà, donc c'est tout pour mon retour de course. Donc j'ai payé 42€ et j'aurais pu faire moins, on va dire. Donc c'est un petit prix, franchement, je me tire mon chapeau vu que j'ai jamais payé moins. D'adapter ou si j'ai besoin de rajouter quelque chose, ben je vais le faire. Par exemple, quand je vous dis salade de chèvre chaud, forcément je vais rajouter quelque chose pour mes enfants. Ça, c'est vraiment pour moi. En tout cas, moi, j'ai pas besoin de manger énormément le soir. Donc pour moi, ça sera salade verte et chèvre chaud. Mes enfants, s'ils veulent rajouter un reste de la journée ou autre chose, je leur ferai. Donc là, je vous ai mis en plus la recette du jour. Finalement, j'ai bien fait les burritos.
puisque ben, la viande hachée elle était sortie depuis déjà la journée et elle était assaisonnée, donc je voulais pas qu'elle se gâche. Donc on a fait des burritos exceptionnellement le soir. Voilà, donc ben, c'est un quitin à faire. Tout est bien expliqué, donc je vous laisse avec les images. Donc là, je viens préparer le biberon pour ma fille en même temps, puisque quand j'étais en train d'écrire la liste, vous l'avez pas vu, mais elle était dans mes bras. Et donc là, elle commence à s'agiter, donc je l'ai mis sur la chaise haute. J'ai fait le biberon pour que ma fille commence à biberonner, le temps que je mette à cuire la viande. Donc voilà, une fois que la viande est cuite, on vient rajouter les épices. Donc moi j'ai mis que la moitié du sachet puisque j'avais déjà épicé ma viande. Et donc après on rajoute donc le, je crois que c'était 100 ml d'eau il me semble sur le paquet. De toute façon tout est écrit sur le paquet. Hein. Et j'en ai fait que deux puisque mon fils n'était pas là. Mon mari était parti dans un stade pour voir un match de foot. Donc j'en ai fait que un pour moi et un pour ma fille. C'était bon, hein, donc c'est pas quelque chose de totalement fait maison, mais enfin quand même, il y avait des légumes et de la viande faite maison. Et par contre, apparemment, mon mari m'a dit, puisqu'il y en avait encore, hein, le lendemain, il en a remangé, donc il m'a dit que c'était un peu salé, enfin c'était assez salé. Donc je sais pas si c'est parce que j'ai rajouté à mes épices leurs épices, mais bon voilà, c'était pour vous dire, hein. Donc si vous pouvez, ne mettez pas trop de sel. I'm in love with a
à commenter et à vous abonner. N'hésitez pas à partager également pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Ciao !